T'es là? Ouais. Ok, go. Allez, salut à tous, à toutes. C'est Mathieu Grim 5. J'espère que vous allez bien, mon corbard. Ça va super. Donc là, les amis, on est de retour sur un vieux jeu. Enfin, un vieux jeu, pas si vieux que ça, mais il n'est pas tout à fait récent. Far Cry 4. Ça fait plaisir de se retrouver là-dessus. Et donc, on est en compagnie d'un pote à moi, Amazing Geek. Comment vas-tu? Salut, ouais, ça va bien. Donc il peut pas trop parler, mais il va parler quand il voudra. Hein. Donc là on a un petit défi à faire parce que évidemment je crois que j'avais lancé il y a un petit moment sur ma chaîne, je sais pas si je l'ai lancé, hein, peut-être que je dis totalement des conneries, mais en tout cas c'est un projet que je voulais lancer. Waouh, waouh. Ok. Donc c'était je voulais tout simplement faire des défis sur Far Cry. Dans, ouais, je crois que je n'ai pas lancé le projet, c'est faire plusieurs défis sur Far Cry. Donc là on va en faire juste un pour le fun. Donc, ce sera juste occasionnellement une petite vidéo, voilà, que j'aurais prévu avec des montages plutôt stylés, genre par exemple la boum. Voilà, donc ce sera évidemment ajouté au montage. Pour l'instant pour l'instant le jeu est totalement normal. Donc voilà. Donc les amis, j'ai aussi une petite nouvelle à vous annoncer, enfin projet que je pourrais tenter de faire, c'est pas sûr que je le fasse et c'est pas sûr que je le, que je le fasse tout simplement. Donc j'aurai normalement pour Noël Fallout 4, donc un petit let's play sur ce genre de jeu, ça pourra faire plaisir. Enfin voilà, donc je tenterai de faire ça là-dessus. Donc on sera en coop entre guillemets, ce jeu n'est pas jouable en ligne, je pense pas. Et il y aura mon ami Yannis, hashtag Greywolf, qui sera normalement assez souvent disponible dans le chat party, et normalement vous l'entendrez. Je ferai évidemment à partir du 25 décembre ou 26, enfin par là, hein, dans ces eaux-là. Donc on est arrivé hein, pour info. Donc je ferai des streams sur Twitch. Donc vous pouvez vous follow directement hein, sur ma chaîne Twitch, Mat4005 tout simplement, avec M majuscule. Sur Twitch, je lancerai des petits streams, comme là je viens d'en lancer un. Et je ferai des petits streams pour qu'on puisse entendre sa voix. Et tout simplement sur ma chaîne YouTube. Tout simplement. YouTube Gaming, je pense, parce que ça va être peut-être des streams plutôt longs et je ne mettrai pas de montage, parce que sinon j'aurai beaucoup trop de trucs à faire. Donc là, les amis, on va essayer de chasser un rhinocéros à l'arc. Donc, vous dites oui, bon, l'arc, c'est pas trop mal. L'arc au courbé, il peut faire. Ça peut être simple, mais l'arc de chasseur, j'ai essayé récemment, c'est plutôt compliqué. Donc, on va essayer de se trouver un petit rhinocéros. Voilà. Hein. Évidemment, le cousin éloigné de Céros. Hein. Énorme blague. Putain, par contre, il est où? Attends, je me suis pas trompé. Les rhinocéros d'Asie. On va voir un, pas très loin. Et là, c'est vrai que tu vois un rhinocéros te foncer dessus. Tu fais, mais calme-toi, Billy. Je vais utiliser éventuellement ce petit appareil photo qui permet de prendre des photos. Donc moi je cherche des rhinos, mais je vois une carpe dans l'eau. C'est vrai, ça va beaucoup m'aider. Hein. Évidemment, on a une belle vue. Bon, avant la vidéo, on va pas se mentir, ça commence mal. Je veux chercher un rhinocéros sans trouver un. Non, faut arrêter les conneries, hein, faut arrêter la comédie. Pas passer non plus 30 ans. Hein. Chasseur depuis 1982. Hein. Professionnel dans l'âme, évidemment. Bah après, évidemment, je suis pas comme un XM à chercher les crottes de rhinocéros. Moi, je suis plutôt visuel. Par contre, ça me commence à me casser les couilles. Je crois que je vais devoir utiliser cette technique parce que il y en a pas. On est en plein milieu de l'endroit où il devrait avoir des rhinocéros. Et là, ils ont migré vers le sud, je sais pas, ou vers le nord, je sais pas, parce qu'on est, ouais, on est au sud. On est plus dans le sud. D'accord, donc je suis un chasseur expérimenté. Mon perso il est tellement survivant qu'il sort un pistolet, pas de problème. On te calme au moment. Putain mais il n'y a pas de rhino les gars, ça va pas le faire. Bonjour messieurs dames, vous êtes encastrés dans votre. Enfin entre deux véhicules, je m'en bats les couilles. Est-ce que vous avez vu un rhinocéros par hasard? Ou Céros aussi, un youtubeur que j'apprécie. Non? Putain mais réponds biatch. D'accord, alors toi je te coupe. Mais la meuf c'est Chuck Norris. Ouais, mais moi non plus. En fait, mais... j'ai entendu un cri, mais il n'y a personne là, moi je vois personne. Ah d'accord, donc je suis schizophrène, c'est merdé. Donc en gros, je viens de cuter quand même une meuf qui doit être invisible, parce que premièrement, tu ne la vois pas, et deuxièmement, ce qui est encore plus drôle, c'est que je l'ai cuté, elle a juste crié sans bouger. C'est comme si on te mettait un couteau dans le ventre, toi tu bougeais pas, tu fais aïe. Voilà, donc la consommation de drogue est plutôt intense. Hein. Attends, pour que ça soit plus réaliste, hein. Voilà. Je me mets de la drogue, voilà. Oh, il y a des bitches. Oh, il y a des bitches. Attends, je crois que je vois Pamela Anderson et Claire Morgan. C'est parfait. On va y aller. Par contre, sois discret. Hein.
Ok, ça va chasser la ronde de la drone. Attends, y en a là. Hop là, j'ai bien bandé mon arc. Voilà, donc je bande mon arc et j'enfonce. Ok, je me suis chié. Ok, bon, c'est pas grave, j'en ai déjà eu un. Ah d'accord, ah oui, c'est vrai, y'a plus l'action. Attends, vas-y, passe. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, ok. Rien, un truc, parce que j'ai visé sur un sandbar et ça m'a mis à appuyer sur pavé tactique pour sandbar. Fais gaffe, il y a des sandbars. Ah, vas-y, je te laisse. Attends, par contre, on essaie de s'approcher sans les faire fuir. Je dis ça, mais je suis en train de trouver comme un taré dessus. Donc, les gars, le défi rhinocéros, il est un petit peu. J'ai cru que c'était un rhinocéros, mais c'est un rocher. Faut vraiment que je soigne ma schizophrénie. Ok, je l'ai eu. Par contre, si je chatte. Je chatte, oui. Énorme. Si je chasse des sandbars avec un arc et que je me fais foncer dessus avec. Enfin, par un rhinocéros, je suis plutôt dans la merde. On peut tenter de lancer un appât pour essayer de voir si le manque arrive. Depuis quand un rhinocéros est carnivore? Voilà. J'ai ma question. Mais c'est comme si tu balançais, je sais pas, un. Non, il veut pas que je fasse d'exemple, c'est jamais mon ménage. Putain, mais y'a pas de rhinocéros. Oula, y'a pas de rhinocéros. Bah, au pire, souder le capot, le mec fait des petits exemples chelous, y'a pas de problème. Donc on va y aller. Vas-y, viens dans ma barque. Je l'ai commandé il y a 30 secondes avec mon appareil photo. Voilà, qui fait aussi office d'internet. Et j'ai pu le commander pour 50 euros. Voilà. Par contre, je t'attends devant. Hop là. Voilà. Je t'attends, Michel. On est parti. Hop. Par contre, prends pas ton D50. Hein. Joue avec l'arc. Donc, utilise l'appareil photo et cherche-nous des rhinocéros. Voilà. D'Asie, évidemment. Parce que si nous trouve un rhinocéros de Chine, voilà. On va pas le faire bien. Alors, un petit boisson comme gueule. Voilà. Au pire, on fait de la pêche à l'arc. mais tu sais quoi, on va faire de la pêche à l'arc, hein, voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Vous les gars, de toute façon, le but de cette vidéo était de faire de la chasse, donc on n'a pas beaucoup de chatte. Ça se voit que vous suivez, c'est bien. Donc on va essayer de choper un petit poisson, une petite carpe, hein, voilà. Un poisson pigeon, j'appelle ça un poisson démon, voilà. Excellent. Allez, go! Bon, par contre, au grand, voilà, tu sais pas tirer. Ok, bien fait, vas-y, saute. Je te couvre. Allez, attends, je descends. Enfin, voilà. Va te choper, je te couvre. Non, par contre, faut que je mette mon truc pour voir les poissons pigeons. Poisson pigeon. Sinon, il y a la pêche à la dynamite. Ouais, mais c'est moins rentable. Au pire, maintenant vas-y, conduis. Enfin, ah, c'est bon, poisson pigeon en vue. Pourquoi j'appelle ça comme ça? Parce qu'à la base, il y avait aussi un poisson légendaire, ça s'appelait un poisson démon. Donc, depuis. Oh putain, je te demande de conduire, Billy, c'est pas compliqué, bordel. Allez, go. Je peux pas conduire. Si tu peux. En bas de la barque, je pourrais pas. Let's go. Allez, Michel, tu peux le faire. Le premier qui est là. J'ai eu. J'y vais. Couvre-moi. Ouais. Avec une écharpe, avec ce que tu veux, mais couvre-moi. Ah oh, attends, il y a des trucs en dessous. Ah. Oh, bateau de sabrage. Je sais que ça n'a rien à voir. Ah mais mec, mon perso, il a l'oxygène d'un raton laveur. Le mec, il s'est. il est tombé, il est descendu 10 secondes. Il respire déjà plus. Donc voilà. D'accord. J'en ai tué mon tien quand même de base. Allez, parce que j'ai oublié que j'étais en train de conduire, hein, éventuellement. Voilà. Donc attends, on va essayer de. Est-ce que tu le vois celui-là? Bonjour. Alors, mon appareil photo. Tout à fait normalement, hein. Puis c'est parti un coup. Oh, Rhino! Je m'en parle à la table. Du coup, ça joue un peu à la Primal. Voilà, Far Cry Primal. Bon, nous on n'a pas de lance, on a des arcs. Top, c'est parti, go! Il traque à la porte.
Le truc qui est compliqué, c'est qu'il faut mettre beaucoup. Ah ah aïe, bon. Oh merde, y'en a deux. Vas-y, on se fait les deux. Bah les couilles. Aïe, il m'a défoncé. Moi, il m'a pas gros super sur le jeu. Ah, je suis d'accord. Non, tu vas te faire défoncer. Ah non, il m'a gros vraiment moins. Putain, y'en a deux. Ok. Aïe. Ah, j'ai même pas de seringue. Je suis dans l'autre. Oh, je t'ai tapé une esquive du futur. De quoi? J'adore lui mettre. Mais au pire, on essaye de s'en choper un. Vas-y, parce que l'autre là il est en train de s'enfuir là. Espèce de tapette là, reviens. Non mais un pinot qui s'enfuit, tu sais. La technique de lui tirer dessus là quand tu me cherches. Je vais mettre. Je sais même pas en fait si c'est possible, si ça peut traverser son corps en fait. What? Ah d'accord, ah ouais, le rhino il est parti genre loin comme le respect. Hop là, une petite flèche dans les fesses. Non, j'ai mis cher. Hein. On est d'accord, je lui mets cher. Ah par contre, j'ai totalement loupé le bon tir. Fais gaffe derrière toi. Je viens de prendre des vibrations là. On défonce. Oh, je l'ai fini. Par contre, c'est le bien, on est d'accord. Ouais, je t'ai un peu aidé. Hein. Non, un petit peu, t'as mis deux flèches. Je sais pas si c'est moi qui ai pas vu ou si c'est parce qu'il y a une mise à jour. J'ai fait que ça avait pas vu là. Quand tu regardes un animal, tu fais pas avec ta kiff pour pouvoir essayer. Oh, pas mal. Ah. Vas-y, je récupère juste les flèches et je te laisse à la peau. Parfait. Ah, du coup, on a une double de réunion sur eux. Hop là, je te défonce. Juste pour être sûr qu'ils soient morts. Bref, les amis, donc. Ouais, bah évidemment, hein, voilà, hein, j'ai envie de vous dire. Il est sérieux. Bref les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mais le défi est totalement remporté. Évidemment, merci à ceux qui ont fait les graphiques de cette herbe. Hein, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est merveilleux. On est d'accord. Hein. On peut les remercier pour ça. On leur fait des bisous sur les tétons, j'ai envie de vous dire. Bref, donc voilà, donc le défi est totalement réussi. Donc évidemment, on a mis pas mal de temps. Donc là en fait t'as cramé juste un rhinocéros, t'as cramé toute la forêt, regarde derrière toi. Bah oui hein. Voilà, autant faire les choses jusqu'au bout. Donc voilà, donc on a fait la petite pêche, donc on s'est baladé tranquillement, on a buté aussi des petites bitches, hein, Clara Morgan, boum, on les a prises, on a bien bandé l'arc et on a enfoncé tout ce qu'il fallait dans l'anus, hein, on s'est fait plaisir. Et finalement le défi a été atteint, non pas un, mais deux rhinocéros en moins de 15 minutes. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher évidemment un maximum de j'aime. Voilà, donc évidemment la morale de cette histoire, n'oubliez pas de bander. Voilà, c'est magnifique moral. Et donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec cette phrase et que vous voilà. Mettez des petits commentaires pas très sympathiques ou plutôt cochons, enfin c'est vous qui voyez. Hein. Donc bien, oh oui on est bien. Bref. Donc si tu viens de découvrir ma chaîne et que ça t'a fait rire, n'hésite pas à t'abonner, oui c'est gratuit, hein, c'est la sérénité évidemment, hein. Fais-toi plaisir. Et donc si tu as surkiffé la vidéo, c'est la meilleure vidéo de tous les temps que t'es pas vu depuis à peu près 2 siècles, même si c'est pas possible de 2 siècles à part la génération Mortal Kombat 4, je suis pas trop vu plus tard. N'hésite pas à partager, ouais, à plus tard tout le monde. Je glisse et je nage, voilà. Ciao.